sera pas toi Moïse, mais ça sera Dieu qui parlera avec toi. Seigneur, le fait c'est ta présence, Seigneur. Que moi tu disparaisse. Que toi tu apparaisses dans cette assemblée, oh Dieu. Seigneur, que ta présence soit pour nous. Que ton onction, avec l'éclat, que là où il y a ta présence, il y a l'absence totale de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, je vais planter la croix de Jésus dans ce lieu. Que ta présence, Seigneur, dans ce lieu, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Car la Bible déclare que tu envoies la parole et la parole a guéri, Seigneur. Que la parole de cet après-midi puisse prendre place dans nos cœurs. Que la parole de cet après-midi puisse porter les fruits dignes de repentance. Seigneur, merci, oh Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Ensemble avec les bénévoles, nous t'acclamons. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je t'aime de mon esprit. Bartimée n'avait pas crié, il n'allait pas rencontrer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Bartimée connaissait qui? C'est Jésus qui peut donner la solution à ses problèmes. Amen. Alléluia. Yes. Il a entendu que le fils de David passait. Amen. Amen. Parce que la Bible et le Torah dit que la prospérité viendra dans le lignée de David. Amen. Amen. Bartimée ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Il ne connaissait pas le nom de Jésus. Mais il connaissait que celui qui est en train de passer, c'est le fils de David. Amen. Amen. C'est pourquoi Bartimée criait, fils de David. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit qu'il t'empêche de crier? Amen. Amen. Parce que Bartimée, il était là condamné toute sa vie. Mais Bartimée savait une chose, que c'est le fils de David qui va donner la solution à son problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup de gens qui passaient. Ces jours-là, il y a beaucoup de gens qui passaient. Mais lorsqu'il a entendu que c'était le fils de David qui passait, à Bartimée, il a pris la décision de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui l'ont empêché. Amen. Il y a des gens qui nous empêchent aujourd'hui de crier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous empêche de crier aujourd'hui? Amen. Amen. Est-ce que les angoisses? Est-ce que les problèmes? Est-ce que les fatigues? Est-ce que c'est les fatigues de Eden? Est-ce que c'est des manques de travail? Amen. Des manques d'argent? Alléluia. Qui nous empêche de crier? Alléluia. Parce que notre ennemi, le diable, il ne vient pas en récréation. Alléluia. Cet message, je l'ai déjà prêché le mardi. Amen. Les gens qui étaient le mardi, ils ont écouté ce que le Saint-Esprit a dit. Amen. Amen. Qui nous empêche de crier? Est-ce que c'est des problèmes qui peuvent empêcher de crier? Amen. Bartimée a compris. Il a dit que c'est lui qui est en train de passer, c'est le fils de David. Si je crie, alléluia. Amen. Il y a des gens qui l'empêchaient de crier. La Bible déclare que Bartimée criait encore plus fort. Amen. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons abandonné les prières. Amen. Amen. On nous dit de venir les prier le mardi. Le mardi, nous sommes là comptés. Amen. On nous dit de venir prier le jeudi. Nous sommes comptés. Alléluia. Amen. Mais qui t'empêche maintenant de crier? Et c'est la fatigue du travail. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, la Bible déclare notre Dieu, ses oreilles n'est pas bouchées pour entendre. Amen. Quitte à toi de ouvrir ta bouche et de crier. Amen. Il a besoin que tu puisses ouvrir ta bouche comme Bartimée. Bartimée a dit, si je reste là, rien ne changera dans ma vie. Amen. Amen. Si je reste là, rien n'arrivera dans ma vie. Les disciples voulaient tomber. Ils étaient là dans le bac. Ils disent, nous allons nous noyer. Mais la Bible déclare, les disciples ont réveillé Jésus en lui disant, Seigneur, Seigneur, nous pouvons étudier. La Bible déclare, lorsque Jésus se réveilla, il apaisa la tempête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme nous aujourd'hui, qui nous empêche de crier à notre Dieu. Amen. Tu vois rien ne marche dans ta vie, tu es là et tu regardes, tu dis que c'est normal. C'est pas normal. Amen. Amen. Personne ne peut t'empêcher de crier. Car lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible déclare que le rideau du temple était coupé par Dieu. Alléluia. Nous sommes rentrés maintenant dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais qui t'empêche maintenant de crier devant une situation quelconque? Tu es en train de paniquer. Amen. Au lieu de confier à Jésus tes problèmes, nous confions nos problèmes à nos amis. Amen. Laisse-moi te dire que la victoire est vaincue dans le nom de Jésus. Amen. Ton ami peut te consoler. Mais il peut encore te critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'espoir, il te console de dire, ah, ma sœur, prends courage, tu vas faire. Mais quand tu donnes ton dos, c'est lui qui sera le premier à appeler notre personne. Amen. Alléluia. Amen.
Soyez fidèles à confier nos problèmes, nos secrets, c'est Jésus-Christ. Quand tu te confies en Jésus, tu vas avancer dans ta vie. Parce que Bartimée avait compris la chose. Bartimée avait compris le message. Il a dit que celui qui est en train de passer, c'est le fils de David. Amen. Il cria, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Il est là. Il veut seulement que tu puisses ouvrir ta bouche et de lui demander quelque chose. Amen. Amen. Moi j'ai toujours dit, un chrétien est né pour vaincre. Amen. Parce que la victoire nous appartient. Amen. La Bible déclare, prospère comme prospère, état de ton âme et soyez en bonne santé. Amen. La sœur vient de témoigner ici qu'elle était malade. Amen. Elle n'a pas demandé à sa sœur ou à sa bobine ou à sa mère, non. Elle a demandé à Dieu. Alléluia. Elle a dit, mon Dieu. Alléluia. Je veux voir ta gloire. La Bible dit que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui sait qu'il avait ouvert à la vie d'Abraham, il est capable de le faire aussi dans ta vie aujourd'hui. Car la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. C'est pourquoi Bartimée, les gens l'empêchaient. C'est comme nous aujourd'hui. Les gens nous empêchent d'aller à l'église. Amen. Et des fois, les gens nous empêchent, ils disent, tu vas à l'église, ça fait longtemps, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a dit, il ne faut pas les tuer, il faut qu'ils voient ta gloire dans ma vie. Amen. Alléluia. Les gens qui posent des questions comme ça, que depuis longtemps que tu pries. Amen. C'est qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu leur réponds, notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te protéger. Aujourd'hui, nous demandons quelque chose à Dieu. Tu peux crier. Tu as besoin de l'argent. Mais si Dieu te donne la santé, il t'a béni aussi. Non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as besoin de l'argent, tu prends l'argent et tu n'as pas la santé. Comment tu vas manger cet argent? Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il protège ta famille. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la prophétie, même si elle s'attend à temps là. Amen. Bartimée a compris. Il a dit, si je laisse la personne là passer, et ma vie aussi va demeurer telle qu'elle est. Amen. Amen. Il n'y aura pas la guérison dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la femme du peuple d'Israël a pu comprendre une chose. Il a dit que si je puisse seulement toucher son dîme. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont touché Jésus. Mais la Bible déclare que Jésus a demandé qui m'a touché. Alléluia. Il faut que ta prière demande, Dieu demande qui est en train de crier. Il faut que Dieu écoute que Dieu est en train de crier. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens, les disciples ont eu la fête. Il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés à la foule. Mais comment Jésus a dit non, c'est lui qui m'a touché. J'ai senti un enfant quitter mon corps. Alléluia. Il faut que ta prière monte jusqu'à Dieu. Il faut que ton cri monte jusqu'à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et la douleur est venue jusqu'à moi. Et je suis descendu pour me délivrer. Amen. Il faut que ta douleur monte jusqu'à ton Dieu. Quand tu cries, Dieu t'écoute. Amen. Dieu t'écoute, mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu peut te bénir aujourd'hui à devenir milliardaire. Mais quand tu deviens milliardaire, tu abandonnes la voie. Amen. Dieu connaît les temps et les circonstances. Alléluia. La Bible déclare qu'il sort le cœur et le rein. Amen. Alléluia. Il connaît tous nos besoins. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi Bartimée a dit, si je ne crie pas, ils ne vont pas m'écouter. Amen. Il y a des gens aussi qui ont montré la foi, même chassés et montés dans une arbre pour parler à Dieu. Alléluia. Parce qu'il était trop court. Il a monté pour que Dieu puisse nous remarquer. Amen. Et toi et moi, pourquoi nous n'allons pas crier pour que Dieu agisse? Alléluia. Nos familles sont condamnées. Nos familles sont bloquées. Alléluia. Il y a la sorcellerie qui est en train de faire ce théâtre dans nos familles. Et lorsque nous sommes là, nous regardons, nous disons c'est normal. Et nous disons que c'est une crise économique. Alléluia. La Bible déclare que l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Nous sommes les prospérités d'Abraham. Abraham était riche. Abraham était l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Nous sommes les enfants d'Abraham. La pauvreté ne nous appartient pas. La condamnation ne nous appartient pas. Le blocage ne nous appartient pas. Voilà, c'est tout là.
c'est pas normal. Alléluia. Dieu, il a béni la terre. Alléluia. Il a dit que la terre est bénie. La terre soit féconde et multipliée. Amen. Dieu a béni toute personne. Toute personne attend appelée chrétienne. Il va vivre dans la vie des restaurations, dans la vie d'avancement dans sa vie. Amen. Tu n'es pas là pour être condamné. C'est pourquoi la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les chiffres, mais les ténèbres en Dieu.